Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième webinaire de cette série dont j'aurai l'occasion de présenter d'ici quelques secondes. Et je suis ravi d'être aux côtés de Philippe et Delphine pour effectivement parler de la question des achats responsables et des enjeux environnementaux. Alors, en quelques mots déjà peut-être pour vous décrire le groupe EPSA, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à à ce sujet-là? Alors, le groupe EPSA est effectivement producteur et créateur de performances durables, avec quatre piliers qui sont assez majeurs, hein, qui vont tourner autour de ces problématiques-là. La première qui est finalement comment est-ce qu'on peut accélérer la performance opérationnelle d'une entreprise, comment on peut travailler sur sa supply chain, ses achats, on va en parler. Comment est-ce que dans le prolongement on peut simplifier et optimiser les achats, notamment de catégorie C, hein, des achats qui sont parfois de faibles montants. Et on va continuer à prolonger toutes ces questions-là sur accélérer la performance en termes d'innovation et accélérer la performance aussi en termes d'efficacité énergétique, en termes de financement, de subvention, etc. Donc, ça, c'est ces quatre piliers-là qui aujourd'hui nous permettent d'être 1300, 1200 dans le monde et d'avoir effectivement une présence à l'international assez importante. Alors, on a profité de cette crise sanitaire pour se poser les questions en se disant finalement une entreprise qui agit sur la performance de ses clients, comment est-ce qu'on peut mettre et compiler toutes nos expertises, tous nos savoirs à 360 pour que finalement cette performance, elle soit dite durable, qu'elle soit soutenable et qu'elle ne soit pas sur une vision court-termiste et qu'on puisse rebondir de manière assez efficace. Donc on a construit ce guide-là de performance durable vu sous le prisme des achats qui se déclinent sur trois typologies de problématiques. La première autour de la gouvernance, la deuxième autour de l'impact social et la troisième, celle du sujet d'aujourd'hui, autour de l'impact environnemental. Alors, on l'a décliné, ce guide-là, pour qu'il soit compréhensible et audible de tout le monde sur cette série de webinaires. On a commencé par deux webinaires autour de la gouvernance. Le premier sur une démarche et un partage assez théorique de ce qu'est la gouvernance des achats responsables. On a eu la chance, une semaine plus tard, d'avoir Bertrand Pouilloux, qui est le grand témoin de cette série sur la gouvernance des achats responsables, directeur des achats d'Enedis, qui a pu nous parler effectivement de toute sa méthodologie, tous ses process qu'il a mis en place et de ce cadre rassurant pour à la fois son entreprise et ses fournisseurs autour des achats responsables. Le deuxième binôme, donc série sur l'impact social, où là encore une première webinaire sur finalement, qu'est-ce qui se cache derrière l'impact social entre achat et performance économique? Comment est-ce qu'on peut allier de la performance durable avec de l'impact social? Et puis, on a pu recevoir Laurence de Impact Partner qui a pu nous décrire toutes les actions qui étaient mises en place pour réconcilier et concilier les entreprises, les grandes, les petites, les moyennes, avec notamment le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, donc, on attaque ce dernier binôme de webinaire autour de la question des enjeux climatiques et de la position de l'entreprise, encore une fois, vue notamment sous le prisme des achats. Au sommaire des 40-45 prochaines minutes, il y a cet épisode 3 sur la décarbonation. Donc, quels sont les enjeux environnementaux pour les entreprises? On va les détailler finalement l'acheteur responsable et la maîtrise de ses impacts et de son activité sur l'environnement. Quels sont-ils? La décarbonation des achats pour faire face aux enjeux climatiques, quelles méthodologies, quels outils, comment est-ce qu'on peut aller concrètement atteindre cette ambition? Quels sont les dispositifs proposés par l'État? C'est assez intéressant, on est en plein dans l'épisode plan de relance. Donc, c'est important d'avoir en tête les incitations à la fois législatives et financières proposées par l'État. Et puis, les exemples très concrets de choses qui se sont passées sur ce thème-là. Pour revenir très brièvement, puisque finalement, c'est le dernier binôme de webinaire, le premier binaire, je vous l'ai dit, est autour de la gouvernance avec des choses à retenir hein, sur les sept enjeux, sur le fait qu'une gouvernance établie autour des achats permet et est un vecteur de croissance durable, avec trois piliers clés, puis effectivement des actions RSE qui sont tout au long du processus d'achat et là qui doivent être pilotées et gouvernées. Donc ça, c'est ce qu'on a dit lors du premier webinaire. Sur le deuxième, on a parlé effectivement des enjeux sociaux par rapport aux achats responsables, comme ils peuvent être un levier d'insertion, d'intégration, de performance économique. Comment est-ce qu'on arrive à répondre aussi aux besoins de chiffre d'affaires des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans finalement un contexte peu contraignant. Donc, on a fait le panorama de cet écosystème, de cet impact social, encore une fois sous un prisme qui est comment tout ça peut être vecteur de croissance durable. Et puis, aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que ce sujet-là est finalement, vu sous le prisme des achats, permet une politique RSE déployée dans tous les services. On le sait, tout le monde est aujourd'hui concerné. C'est plus le sujet ad hoc. C'est finalement l'affaire de tout le monde, à la fois du côté RH, marketing, services généraux,
la supply chain, le transport, la finance, l'IT juridique, et puis les achats, quand on sait que ça représente entre 50 et 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise, les achats est un levier nécessaire et ultra pertinent sur la transformation des entreprises et aller chercher de l'impact social, de l'impact environnemental. Et encore une fois, tout ça, non pas au détriment de la performance économique, mais au contraire, c'est un levier et c'est vecteur de croissance. Donc effectivement, voilà, cette politique RSE est déployée dans l'intégralité des entreprises avec un phénomène qui se passe aujourd'hui depuis 60, 70 ans. La population mondiale a triplé, la consommation d'énergie a fait x5, la consommation d'eau douce, effectivement, a été multipliée par 4. On voit qu'en France, l'économie mobilise des millions de tonnes de matière par an, hein, 770 millions de tonnes de matière. Il y a les ratios qui sont en dessous, mais dans un même temps, on s'aperçoit qu'il y a aussi des millions de tonnes de déchets qui sont produits. Donc, un constat très simple qui est, on est sur une planète qui dispose d'un stock de ressources qui est non renouvelable. Les extraire à l'infini et les enfouir, c'est un dysfonctionnement pour lequel on doit trouver une solution, une alternative. Ce n'est pas juste la vision d'EPSA, c'est partagé par tout le monde, c'est les études scientifiques, c'est les coalitions mondiales, c'est les coalitions européennes d'entreprises, d'associations et d'acteurs sur le terrain qui disent qu'il y a une urgence aujourd'hui environnementale et l'entreprise est armée et doit s'armer encore de manière plus puissante pour effectivement travailler ce sujet-là. Donc, on l'a vu, les chiffres qui aujourd'hui doivent mobiliser face à l'urgence climatique et l'urgence écologique toutes les parties prenantes, vous l'avez sur la droite de la slide, hein. On a cette fameuse date presque de non-retour chaque année où la population, les entreprises, les acteurs économiques utilisent entre guillemets les ressources naturelles, les ressources qui se renouvellent, qui se régénèrent. Et finalement, au bout d'un moment, on effectivement consomme plus que ce que la Terre peut produire et peut nous donner en un an. La date, à chaque fois, c'est de plus en plus tôt. 2020 est une exception avec la crise Covid où effectivement, on passe de fin juillet 2019 à 20 août. Donc là, on a repoussé d'une grosse vingtaine de jours. À n'en pas douter, on va reprendre malheureusement des dates de plus en plus tôt. Donc attention, comment on peut faire pour effectivement travailler sur cette question-là? On consomme à crédit le reste de l'année à partir effectivement du mois d'août. Donc comment on peut travailler ça et comment on peut se mettre par rapport au clou de l'accord de Paris, de la COP21, qui doit effectivement nous amener à limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré? Et donc une diminution des émissions carbone environ de 6% par an sur la prochaine décennie. C'est colossal, c'est drastique, mais il y a une forte nécessité. Voilà pour l'introduction. J'étais très heureux de la faire. Je suis Cédric Laroyenne, directeur RSE du groupe EPSA. Maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Delphine Gillet, responsable achat responsable chez EPSA, qui va pouvoir vous détailler finalement le rôle de l'acheteur, son nouveau rôle, et surtout comment est-ce qu'il peut agir face à son impact environnemental. Merci Cédric. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là. Donc, en effet, je suis chez EPSA en charge des offres achats responsables. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'acheteur responsable, son impact environnemental. Comment peut-il maîtriser l'impact de ses activités et avec quels outils? Tout d'abord, une première définition qu'on retrouve un petit peu en fil rouge suivant tout le long de nos webinaires. Donc, selon la norme ISO 20400, qui est une norme non certifiante, l'acheteur responsable, c'est celui qui est capable de réaliser un acte d'achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie, tout en recherchant la performance opérationnelle. Donc là, on a trois points assez importants. Le premier, évidemment, l'acheteur va rechercher la performance opérationnelle, la performance durable. Il va raisonner coût global. Le deuxième point, c'est qu'on va regarder les impacts les plus positifs possibles ou les moins négatifs possibles. Et ensuite, on va parler de durée du cycle de vie avec analyse de cycle de vie et on en parlera un petit peu plus loin dans le webinaire. Donc jusqu'ici, on a regardé un petit peu tous les sujets. L'acheteur responsable, il doit appréhender sept enjeux qui sont dans cette norme ISO 20400, qui sont sept enjeux RSE. Donc, on a déjà regardé dans les différents webinaires, en effet, la gouvernance. Ensuite, on s'est attelé à regarder tous les sujets sociaux, conditions, relations de travail, droits de l'homme, communauté, développement local. Et aujourd'hui, le but, c'est de regarder quels sont les impacts sur l'environnement, comment maîtriser les risques sur les ressources naturelles. On va parler des pollutions des sols, la gestion des forêts, l'empreinte carbone et tous ces sujets qui sont importants et où l'acheteur a un vrai rôle. J'ai envie de dire une petite méthodologie pour l'acheteur responsable qui doit en fait tout le long du process achat prendre en compte ses impacts environnementaux.
Déjà, dès la définition du besoin, il y a différents points que l'on peut prendre en compte. Tout d'abord, le juste besoin, c'est-à-dire le produit que l'on ne va pas consommer, c'est celui qui ne va pas avoir de risque sur l'environnement. Donc, on va pouvoir manager ses clients internes pour travailler sur le juste besoin. On a également les outils disponibles d'éco-conception, donc de matière inférieure, de matière allégée, d'éco-conception, de pourcentage de recyclé qu'on va pouvoir insérer dans de la matière vierge sur certains packagings, par exemple. On va parler également de fin de vie des produits. Donc, dès le début, en amont d'un produit, on va penser à sa fin de vie. On va parler également de certification et de labels par catégorie achat. Par exemple, on sait qu'il y a les labels FSC pour gérer les forêts durablement. On a, par exemple, pour tout ce qui est informatique, ordinateur, le label UPIT, qui garantit que les ordinateurs respectent l'environnement tout au long du cycle de vie. On a aussi, par exemple, Ange Bleu, qui est un écolabel spécifique pour les fournitures de bureaux. Donc voilà, le but, ça sera de se dire quels sont les labels pertinents pour l'environnement par catégorie achat. Et puis ensuite avoir des bons indicateurs trouver, sélectionner les indicateurs pour les mettre dans le cahier des charges. Ensuite, dans la phase recherche fournisseur, le but c'est de retrouver pareil des fournisseurs qui ont des labels, qui vont avoir des notations spécifiques, qui vont avoir de vrais engagements environnementaux. Par exemple, leur demander comment maîtrisent-ils leur énergie, ont-ils recours à des transports verts, quelle est leur politique de logistique. Voilà, tous ces sujets qui ont une vraie maîtrise et un vrai impact sur l'environnement. Ensuite, il y a la phase de lancement d'appel d'offres. Donc là, on est vraiment dans la transparence. Donc, je suis toujours dans le process achat. On a le lancement d'appel d'offres. Là, on est vraiment dans la transparence des critères de choix, puisque le critère RSE va être un vrai critère de décision et donc va devoir être communiqué aussi aux fournisseurs en même temps qu'une réponse avec une notation technique de prix, de qualité et de service. Le critère RSE devra avoir un vrai rôle et on devra leur donner une pondération et communiquer la pondération aux fournisseurs. Ensuite, il y a la phase négociation, contractualisation, où là, on va parler de clauses RSE spécifiques que l'on va pouvoir intégrer dans le contrat. Et puis, le suivi de la performance, parce que c'est bien de mettre des indicateurs, c'est encore mieux de pouvoir les suivre. Donc, comment clairement faire des points réguliers avec ses fournisseurs, travailler lors des business reviews sur ces indicateurs, voir leurs actions, leurs plans d'action, travailler sur des plans d'amélioration, et puis piloter avec eux des actions innovantes pour les aider aussi et les accompagner sur tous ces sujets, maîtrise de l'impact sur l'environnement. Alors, comme le sujet est assez large, on a choisi pour la suite du webinaire, en fait, de faire un focus sur vraiment les enjeux climatiques. Les risques climatiques. Donc, on sait que la société, le citoyen, l'entreprise ont un vrai rôle à jouer. Et donc, l'acheteur a une vraie responsabilité et c'est vraiment pour le moment pour lui d'agir sur ces différents sujets. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, en tout cas bilan des émissions, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, aujourd'hui, il y a une obligation. D'ailleurs, vous le verrez ensuite avec Philippe dans la suite de la présentation. Il y a une vraie obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de faire un bilan sur leur scope 1, qui est le scope direct de leurs émissions de gaz à effet de serre, et puis leur scope 2, qui est plutôt un scope dit indirect, qui en fait concerne les productions d'électricité ou de chaleur. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, le scope 3 pouvait représenter de 60 à 80% des émissions des entreprises. Et quand on parle de scope 3, on a toute la partie amont qui concerne les achats de biens et services, tout ce qui est les déplacements professionnels, les déplacements aussi des salariés, et puis la gestion de vie, la gestion de fin de vie, et toute la partie aval, qui représente également tout le transport aval et puis le traitement de fin de vie des produits utilisés. Et là, donc, on se rend compte que l'acheteur a un vrai rôle stratégique puisque toute la partie achat biens ou services représente une grande part dans ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, on s'est dit, voilà, donc aujourd'hui, le rôle de la direction des achats est primordial et donc il va vraiment avoir un rôle auprès des parties prenantes. Tout d'abord auprès des fournisseurs, où donc c'est l'acheteur qui a une vraie responsabilité, comme on l'a vu, comme on le verra après plus en détail, de bien connaître sa chaîne de valeur, c'est-à-dire les lieux de production, les process. C'est choisir des fournisseurs et des produits en fonction aussi des impacts sur l'environnement, en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Les acheteurs vont ensuite devoir accompagner et soutenir leurs fournisseurs dans ces quêtes globales. Donc, on va voir beaucoup et on parle beaucoup, on commence à parler beaucoup de projets de création, de synergies intra-filières, de collaboration, de co-création, de partage de valeurs. Donc, c'est tout à fait dans le sens des achats responsables. Et puis, en interne aussi, les acheteurs peuvent influer les pratiques des utilisateurs puisqu'ils vont pouvoir travailler sur la flotte automobile, sur les politiques voyage et donc sur la politique achat responsable aussi de leurs entreprises. Une méthodologie, si on parle d'une méthodologie globale, comment décarboner ses achats? Tout d'abord, avant de parler d'action, il va falloir faire un bilan et de comprendre de combien on parle. C'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, il faut savoir qu'environ 10 à 15 % des fournisseurs ont eux-mêmes fait un bilan carbone et un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, il va falloir se poser la question, comment faire ce bilan carbone du scope 3 ou un bilan carbone du scope achat, des achats? Plusieurs questions vont se poser. Quelle méthodologie? Parce que évidemment, il y en a plusieurs. Donc, ce n'est pas quelque chose encore de standardisé. Quel fournisseur choisir? Est-ce qu'on va s'atteler au fournisseur avec qui on travaille le plus? Ou alors, on sait déjà qu'aujourd'hui, il y a des catégories beaucoup plus émissives que d'autres. Comment collecter ces empreintes carbone, comment collecter ces chiffres pour ensuite avoir un bilan global, pour avoir un bilan du scope 3 et donc un bilan des émissions de gaz à effet de serre produites par vos fournisseurs. Ensuite, il va falloir choisir sa cible, définir une cible de réduction de carbone avec un pourcentage et une année, souvent en 2030, et on donne un pourcentage d'émissions de CO2 qui est souvent donc un objectif pris en compte dans les politiques RSE des entreprises. Et ensuite, on va pouvoir communiquer cet objectif aux différentes parties prenantes, en interne comme en externe. Là, ensuite, on va évidemment analyser par catégorie et ressortir le top 20 des fournisseurs les plus émissifs, les postes et également les catégories d'achat les plus émissives. Pour ensuite, c'est la phase, je dirais, la plus importante pour l'acheteur, c'est comment va-t-il pouvoir aider, accompagner ses fournisseurs. Souvent, on préconise donc de travailler en mode projet avec ou les fournisseurs les plus émetteurs ou les plus volontaires aussi, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même un niveau de maturité assez différent d'un fournisseur à l'autre. Le but, ce sera de regarder par catégorie achat, de travailler tout au long du cycle de vie pour pouvoir identifier quels sont les postes les plus émetteurs et ensuite trouver des actions ensemble pour réduire ce CO2. Alors, on va parler souvent au début d'éco-conception, d'extraction des productions et on va parler aussi de transport vert et optimisation énergétique également, que vous verrez en dernière partie du webinaire. Ensuite, il y a une phase donc toujours dans ce process d'avant, mais donc on va communiquer les objectifs. On va aussi donc juste avant en fait dans le process, je veux bien qu'on voilà, merci. Communiquer des objectifs, fixer un planning, challenger, soutenir dans les actions, et puis aussi communiquer les best practices sectorielles. Donc ça, c'est vraiment des approches que l'on voit de plus en plus, c'est qu'en fait, on va travailler avec des fournisseurs et ensuite on va accompagner les autres fournisseurs d'une même catégorie et leur communiquer les best practices sectorielles pour ensuite travailler vraiment en mode projet. Par appel d'offres, on peut également travailler sur ces sujets, puisque en amont, on peut intégrer, on l'a vu, des indicateurs par catégorie, en partant de labels, en partant de pourcentage recyclé, en parlant d'émissions de CO2, par exemple. Si on parle d'un appel d'offres pour acheter des ordinateurs portables, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre dès le début d'un appel d'offres. Et on va parler aussi d'émissions carbone évitées, comme on parle aujourd'hui de coûts évités. On va parler aussi d'émissions carbone évitées pour sélectionner des indicateurs, choisir les fournisseurs et faire le suivi de la performance. C'est vraiment un vrai levier de décision aujourd'hui et ça devrait être mis dans tous les appels d'offres pour toutes les catégories d'achat dès le début des projets. Finalement, on va aussi mesurer les évolutions, fixer et suivre les indicateurs de suivi, mettre en place avec les fournisseurs des plans d'action et des plans de progrès. Et puis réfléchir ou un programme d'incitation pour les fournisseurs les plus actifs, ou même, pourquoi pas, un programme de répression pour les fournisseurs qui sont plus à la traîne sur ces sujets-là. En fait, l'objectif sera vraiment d'aider les fournisseurs, vous l'avez compris, à travailler sur leur scope 1 et leur scope 2 pour ensuite réduire vos émissions de scope 3. Et donc, tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux et c'est vraiment l'un ne se fait pas sans l'autre et c'est vraiment un travail collectif. Alors, quelques outils sont à disposition donc des acheteurs. On en a déjà parlé depuis la réunion, enfin, depuis le webinaire.
On parle beaucoup d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie, mais en effet, c'est des outils assez puissants s'ils sont bien choisis, j'ai envie de dire, s'ils sont bien maîtrisés. Par exemple, en analyse de cycle de vie, suivant la dernière étude, suivant l'étude faite par le Commissariat général au développement durable, les réductions d'impact environnemental sont comprises entre 10, peuvent être comprises entre 10 et 40% dans une démarche d'analyse de cycle de vie. Donc, on se rend compte qu'il y a des impacts assez forts et assez rapides. Donc là, on va parler d'éco-conception et comment concevoir le produit en prenant en compte le cycle de vie, mais aussi dès le début du projet, penser à la fin de vie, penser au tri, donc avec des matières recyclables, avec par exemple des pièces en monomatériaux et pour faciliter le séparement des pièces et pour trier les pièces. On va parler d'extraction et de production de matériaux responsables. On va parler aussi dans la production, donc comment optimiser les techniques de production, puis aussi comment travailler sur toute la logistique, sur les conditionnements, sur les emballages, sur le poids des emballages, sur les transports qui vont être moins polluants. Et donc, tous ces axes de travail vont faire qu'on va travailler sur l'analyse du cycle de vie pour pouvoir, à chaque étape, trouver des axes de réduction vertueux. Tous ces outils-là sont intégrés dans une vraie démarche d'économie circulaire, donc qui est une vraie démarche. Là, je vous montre en fait le schéma qui a été établi par l'ADEME. Donc, c'est une vraie démarche qui est de plus en plus mise en place dans les entreprises, puisque là, on va parler d'exploitation et achat durable, d'éco-conception, mais aussi d'écologie industrielle. Donc là, on va parler d'une vraie symbiose industrielle où les acteurs économiques en fait vont pouvoir sur un même territoire agir ensemble et travailler à faire des achats groupés ou travailler sur des modes de transport et donc ou des modes de distribution et donc de là, on va avoir des réductions de coûts en travaillant en mode groupé et aussi des baisses de de CO2 ou de gaz à effet de serre puisque on va vraiment travailler sur un même territoire en collaboration. On parle d'économie de fonctionnalité également, de consommation responsable, et puis d'allongement de durée d'usage. Donc là, on sait que la dernière loi, la GEC, a fait l'obligation de mettre 40, de 20% minimum de produits recyclés, par exemple, sur les fournitures. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de très important qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc la réparation, le seconde main, le réemploi. Donc vraiment, pour les acheteurs industriels, il y a des vraies entreprises qui se créent, il y a un vrai marché qui est en train de se créer. Là, on parle, par exemple, de travaux, on parle des achats vêtements de travail, on parle des achats fournitures, mobilier de bureau également, tous les ordinateurs aussi, les ordinateurs reconditionnés. Donc là, on se rend compte que c'est un vrai mouvement qui est en train de se créer pour allonger la durée d'usage. Donc ce qu'on ne va pas réacheter, forcément, on ne va pas produire de CO2 pour produire ce produit et donc du coup, on va réduire forcément les émissions de gaz à effet de serre. Et puis la phase recyclage. Donc là, on se rend compte que c'est aussi assez compliqué puisqu'aujourd'hui, il y a plein de filières de recyclage qui n'existent pas. Donc tout est en train de se créer. Il y a beaucoup d'initiatives sectorielles, par exemple entre les parfums cosmétiques et les vins et spiritueux. On sait qu'ils travaillent aujourd'hui sur des filières de recyclage sur du verre ou sur des PLV également en carton. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se font aujourd'hui, qui sont en train d'être créées pour pouvoir trouver des filières et pour pouvoir créer des filières de recyclage. Pour finir, en fait, cette démarche vraiment d'économie circulaire, c'est vraiment quelque chose d'important. D'après l'étude McKinsey Fondation Ellen MacArthur, pour l'Europe, en fait, si on met en place cette démarche d'économie circulaire dans les entreprises, on aura un résultat de moins 48% d'émissions de CO2 d'ici 2030 et avec une croissance annuelle de plus 0,6%. Donc, pour dire qu'évidemment, toutes ces démarches d'économie circulaire vont dans le sens de gains, de réduction de coûts et de performance durable. Donc maintenant, on va regarder avec Philippe quelles sont les aides de l'État sur ces actions et quel est le dispositif de l'État. Merci beaucoup Delphine. À mon tour de prendre la parole. Donc, je suis Philippe Portensen, le directeur de la BU Innovation et Énergie, et je dirige notamment des équipes donc, qui accompagnent le financement et l'optimisation de tous les dispositifs réglementaires qui ont été mis en place par l'État et l'Europe au sens large pour accompagner la décarbonation des différents acteurs économiques. Donc, il faut juste rappeler en quelques mots que ces dispositifs d'accompagnement s'inscrivent dans une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050 qui a été
finalement initié par le protocole de Kyoto maintenant plusieurs années, et puis ensuite confirmé par la COP21 en 2015. Et donc vous voyez d'ailleurs que à chaque période de cette trajectoire sont attachés des budgets carbone dont l'objectif évidemment est qu'ils soient de plus en plus limités. Donc, quand on regarde les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui par la France, soit sur l'impulsion de l'Europe, soit sur sa propre impulsion, il y a finalement un mélange de dispositifs incitatifs et beaucoup plus coercitifs. On a d'abord un ensemble de taxes hein, qui sont appliquées notamment sur les factures d'énergie des différents acteurs économiques. Et ces différentes taxes servent à financer la transition énergétique, la transition écologique. Donc, grâce à ça, on peut financer un certain nombre de projets éoliens, par exemple, photovoltaïques, et alimenter finalement le budget des grands fournisseurs d'énergie aujourd'hui dans leur transformation. Ensuite, on a, et c'est l'actualité du moment, des outils de financement qui existaient avant le plan de relance, mais le plan de relance a mis un coup de projecteur très important sur ces outils de financement. Donc ici, on parle de subventions à la décarbonation, à l'efficacité énergétique, à l'économie circulaire, avec des outils qui sont à différents niveaux. On a par exemple des subventions qui peuvent intervenir très en amont sur des phases d'études et de diagnostic, et puis des financements plus aval qui vont financer des investissements. On a également tout un ensemble de normes, hein, et la première d'entre elles, c'est la norme ISO 50001 qui concerne l'efficacité énergétique. Donc, c'est une norme qui fait aujourd'hui l'objet d'une prime. L'État a souhaité accélérer le mouvement de certification, notamment des industriels, en mettant une prime donc, qui va s'évaluer à 20% de la facture d'énergie dans un plafond de 40 000 euros. Et dans le plafond de 3 sirènes pour un groupe. Donc, ça veut dire concrètement que si vous avez 3 filiales d'un groupe qui consomme 200 000 euros d'énergie, eh bien, vous pouvez aller chercher 3 fois 40 000 euros de prime. C'est la norme ISO 50001. Au passage, évidemment, cette norme ISO 50001, ce n'est pas qu'un coût d'implémentation, c'est aussi un gain qui est communément admis par la T2E comme l'ADEME, que la norme ISO permet d'acquérir assez facilement 5 à 10% d'économie d'énergie lors de sa mise en place. Et puis, évidemment, on a tout un arsenal de réglementations. Hein, je le disais, on a mis à la fois la carotte et le bâton hein, sur la transition énergétique. Et donc, la réglementation, elle prévoit un certain nombre d'aspects, j'en ai cité quelques-uns, il y en a bien d'autres. D'abord, l'actualité très récente, hein, qui est la réforme de l'abattement du TURP. Le TURP, c'est quoi? C'est la contribution que vous payez pour l'acheminement de l'électricité, donc ça ne porte que sur l'énergie électrique. Et en fait, la définition d'un industriel électro-intensif a été complètement revue, et les conditions d'attribution de l'abattement du TURP, qui peut parfois porter sur plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros pour certains industriels, a été également revu de telle sorte qu'aujourd'hui, il est demandé spécifiquement à ces acteurs économiques de passer à la norme ISO 50001 et de produire un plan de performance énergétique, ce qui n'était pas forcément le cas. Plan de performance énergétique qui, notamment, sera contrôlé par les préfectures au niveau local. On a évidemment un certain nombre d'obligations pour les acteurs économiques aussi en audit énergétique, en bilan carbone. Puis depuis maintenant plusieurs années, on a des quotas d'émission de gaz à effet de serre, notamment pour environ 1300 sites industriels en France. Donc quelques illustrations de tous ces dispositifs. D'abord sur la fiscalité environnementale. Donc on a plus de 50 milliards d'euros payés chaque année par l'ensemble des acteurs, aussi bien les particuliers que les entreprises et les collectivités. On voit ici que au-delà de la taxe sur les produits pétroliers, donc la TICPE, le deuxième poste, c'est la CSPE, donc la contribution au service public de l'électricité, qui est une taxe que nous optimisons régulièrement pour nos clients, au même titre que la TICGN qui porte sur le gaz naturel. Donc, ce sont des taxes qui, le plus souvent, représentent un tiers de la facture d'énergie. Et il existe des conditions en fait, d'exonération ou d'application de taux réduits qui, pour les industriels, peuvent en tout cas être allés rechercher. On accompagne chaque année pratiquement 400 clients sur ces différents sujets. Je parlais du plan de relance. Donc, le plan de relance, 100 milliards d'euros, communiqué en septembre 2020. Sur ces 100 milliards d'euros, vous avez ici
retraiter les 20 milliards d'euros de subventions et d'aides qui sont fléchées plutôt au secteur privé. Et vous voyez que l'écologie est vraiment au cœur du dispositif mis en place par l'État, devant même le soutien à la compétitivité et avant l'innovation, l'innovation intégrant des financements sur la R&D, les nouvelles technologies de décarbonation. On pense à l'hydrogène, on peut penser à d'autres secteurs comme la méthanisation par exemple, dans lesquels l'État ne cherche pas seulement à passer à l'échelle en finançant des investissements, mais cherche aussi à financer des projets de rupture. Donc, pour illustrer ce plan de relance, quelques exemples très concrets. D'abord, le tremplin écologique pour les PME, qui est un dispositif ouvert jusqu'au 31 décembre 2022 pour toutes les PME communautaires. Donc, une PME, c'est une entreprise de moins de 250 salariés et moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez ensuite, on va en parler, donc les financements autour de l'intégration de matières premières recyclées ou le projet d'éco-conception. Et puis on parlera ensuite d'efficacité énergétique et de décarbonation pour les activités industrielles et tertiaires. Donc, tremplin écologique pour les PME. Donc, voilà une série de mesures très, très intéressantes pour les entreprises. Donc, mesures qui portent à la fois sur des diagnostics et des études amont. Vous avez notamment la possibilité donc, de faire votre propre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des bilans, par exemple, sur la rénovation de vos bâtiments, sur la qualité de l'air. Et puis surtout, l'État met en place un certain nombre de primes liées au financement de vos investissements. Et là, on tourne autour de tous les projets qui peuvent impacter l'empreinte carbone d'une entreprise, aussi bien tout le dispositif autour du bâtiment, tout ce qui va tourner autour des processus de production. On va également parler du transport avec tous les aspects de mobilité, à la fois sur le plan de mobilité pour vos salariés, pour vos activités, mais aussi le remplacement, par exemple, ou la transformation de votre flotte de véhicules, puisqu'il existe un certain nombre de primes pour passer du thermique à l'électrique, pour convertir un fourgon au gaz naturel. Donc, il y a des aides, hein, je l'indique ici, qui vont de 500 euros à 25 000 euros pour accompagner vos projets. C'est la même chose également pour tous les projets qui vont tourner autour de l'économie circulaire, à la fois l'éco-conception, le tri et le recyclage, la gestion des déchets et les labellisations. Donc, il y a vraiment plus qu'un coup de pouce considérable qui est donné aux PME pour financer leurs actions de transition énergétique. Je vais citer les financements de l'ADEME sur l'incorporation de matières premières recyclées et les études d'éco-conception. Vous voyez ici que l'ADEME met en place un continuum de financement, donc avec une très bonne visibilité en plus sur ces appels à projets, puisqu'ils seront la plupart du temps valables jusqu'en 2022. Et vous voyez ici que vous avez la possibilité de financer donc, les études et les tests préalables, et notamment de financer, par exemple, l'intervention d'un certain nombre de sous-traitants dans ce domaine, jusqu'à ensuite l'industrialisation de ces nouveaux modes de fabrication et de production, avec le financement des équipements et des matériels, avec des niveaux de financement qui sont accessibles aux grandes entreprises et aux ETI, pas qu'aux PME, hein, c'est important de le souligner, et avec des secteurs d'activité qui sont notamment particulièrement touchés sur les biens de grande consommation, on pense en particulier à la mode et à l'agroalimentaire, mais toutes autres formules sont également acceptées, et encore une fois avec des niveaux de financement qui sont plutôt très attractifs, puisque on sait au-delà de ce qu'on a pu avoir comme objectif économique sur l'éco-conception, ce sont des investissements qui parfois trouvent moins facilement leur ROI par rapport à d'autres investissements. Et donc, l'État ici finance de manière très, très attractive ces projets avec des taux de financement sur les études qui peuvent aller jusqu'à 70% et des niveaux de financement sur la partie CAPEX qui peuvent aller flirter avec les 40%, ce qui pour des ETI ou des grands groupes peut être considérable.
On a également donc sur l'aspect vraiment efficacité énergétique plusieurs initiatives. Donc j'en cite une ici qui est l'appel à projet qui s'appelle Indus Décarre, qui porte donc sur des projets d'investissement de plus de 3 millions d'euros. Donc ça s'adresse à des acteurs industriels déjà d'une certaine taille, mais qui lui va s'arrêter normalement le 14 octobre prochain. C'est pour ça que je vais vous illustrer aujourd'hui. Et donc, il va accompagner le changement, le basculement de technologie de certains procédés industriels, notamment l'électrification hein, de certains procédés industriels par rapport à des énergies fossiles. Et donc, ici, vous voyez que les taux d'aide sont là aussi très, très élevés. On peut aller jusqu'à 40% pour une grande entreprise, jusqu'à 50% pour une entreprise de taille moyenne et presque 60% pour une petite entreprise. Alors évidemment, ces financements-là ne sont pas forcément sur l'enveloppe globale d'investissement, mais plus sur la différence entre un investissement de référence et l'investissement que vous feriez. Mais on a ici quand même une assiette de financement qui reste très intéressante. Et puis, on a également dans ces dispositifs de décarbonation, donc un autre dispositif de subvention qui peut être combiné avec les C2E. Donc, les C2E, en général, les industriels connaissent bien ce dispositif, ne serait-ce que parce que souvent les équipementiers qui viennent les voir déduisent ces C2E de leur facture. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité sur un certain nombre d'équipements de combiner C2E et subvention et d'avoir, comme vous le voyez sous les yeux, un niveau de financement qui peut être largement au-dessus de la moitié du prix de votre investissement. Donc, vous avez d'un côté un dispositif qui s'appelle Indus-EE, qui est un appel à projet qui référence 21 catégories d'équipements. Et puis, la combinaison des fiches C2E, il y en a plus de 200 en France, hein, c'est des fiches qui sont évaluées par l'AT2E régulièrement. C'est un dispositif qui a été prolongé, hein, les C2E, pour à partir de 2022 pour 5 nouvelles années, avec des nouveaux objectifs attribués aux industriels en matière d'efficacité énergétique. Donc, on voit ici que l'État continue de soutenir massivement un certain nombre d'équipements pour aider les entreprises à accélérer leur niveau d'investissement. Donc, voilà. Donc, on voit ici un ensemble de dispositifs qui sont multiples, complexes. Ce qu'on peut voir chez nos clients, c'est que souvent, c'est compliqué pour eux de tous les adresser en même temps dans une stratégie cohérente, parce que le sujet énergie et décarbonation n'est pas forcément coordonné par un groupe de collaborateurs bien, bien identifiés, que ce soit les responsables d'investissement, les travaux de maintenance, les responsables QHSE, les responsables énergie, les directions achats. Donc, il y a là aussi un enjeu de coordination de toutes ces actions. Et on le voit par exemple sur la réforme de l'abattement de TURPE où quelques clients me sollicitent là-dessus parce qu'ils sont un peu perdus. Voilà en conclusion, en tout cas, l'illustration concrète de ce qui est mis en œuvre par l'État pour accompagner les entreprises dans ces achats responsables et les actions qui pourraient être lancées auprès de vos principaux fournisseurs. On passe maintenant au volet questions-réponses. Donc, on va les noter dans le chat du webinaire et y répondre. Une première question, peut-être Cédric? On ne t'entend pas, Cédric. Cédric, on ne t'entend pas. Merci, là c'est mieux. Effectivement, merci Delphine, merci Philippe pour toutes ces informations-là et cet éclairage. Ce que je propose effectivement, c'est à la cinquantaine de participants de pouvoir écrire quelques questions. Il y en a déjà deux et si on n'a pas le temps de répondre à ces questions parce que le temps passe, on pourrait répondre effectivement par mail sans problème. Il y a une première question, Philippe, qui est finalement jusqu'à quand l'État va soutenir et va proposer ces aides-là? Je ne sais pas si tu as l'information finalement, Philippe. Mais le plan de relance aura forcément une date de fin, mais est-ce qu'on va jusqu'à l'expiration des budgets, sachant que c'est un sujet de fond, beaucoup plus même que de simple relance? Ton avis là-dessus? Alors, les dispositifs spécifiques au plan de relance vont durer jusqu'à fin 2022. Hein, donc, les dispositifs que j'ai appelés décarbonation de plus de 3 millions d'euros et son équivalent à moins de 3 millions d'euros sur les 21 catégories, ça, on sait que ça va être globalement jusqu'à fin 2022. Même si parfois il y a des appels à projets qui vont être clôturés en intermédiaire, il est probable qu'ils réouvrent à nouveau. Parce que vous l'avez vu, le plan de relance, il fonctionne par enveloppe budgétaire successive. On attend
attendait notamment que l'Europe débloque les 40 milliards d'euros, donc ça va venir progressivement. Et puis après, il reste quand même des dispositifs, j'allais dire presque permanents de l'ADEME, qui vont aller bien au-delà de 2022, donc tout ce qui existe sur l'éco-conception, le financement de l'économie circulaire, ces financements-là vont perdurer, parce que ce sont des actions de fond, comme tu l'as rappelé, il ne faut pas que ça s'arrête après le plan de relance. Le plan de relance, il est là pour accélérer la transformation de l'industrie, au-delà même de compenser la crise du Covid. Il y a une vraie fenêtre de tir qui est prise par l'État pour accélérer la transformation de l'industrie, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, à ce titre-là, de mettre un coup d'accélérateur sur la décarbonation, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter brutalement fin 2022. Il y aura toujours des dispositifs, ne serait-ce que parce que le mur se rapproche progressivement et que donc les dispositifs vont continuer à exister. Très clair. Merci, merci Philippe. Peut-être une question pour toi, Delphine, sur la norme ISO 20400 et sur le lien entre les achats et les émissions carbone. La question, est-ce que la norme ISO 20400, qui est une norme méthodologique, hein, je le rappelle, est-ce qu'elle prend en compte spécifiquement les émissions carbone générées par les achats ? Bonne question. En fait, c'est une norme en effet créée en 2017, en fait, qui vraiment fournit aux organisations des directives générales, en fait, pour mettre en place une politique d'achat responsable. Mais en fait, donc il y a beaucoup de conseils sur comment faire de la gestion du risque. Et donc dans la matrice de risque, on voit que suivant les différents enjeux RSE, environnementaux, sociaux, évidemment la réduction de CO2 fait partie d'un des objectifs forts de cette matrice de risque. Et donc trouver des actions pour diminuer ces CO2 fait partie évidemment de scope d'intervention des achats au sein de cette norme également. Après, c'est vrai qu'il faut aussi dire la décarbonation des achats. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en construction. Il n'y a pas encore de choses très normées. On a essayé de trouver, de donner une méthodologie, hein, mais c'est quelque chose aujourd'hui vraiment nouveau dans les entreprises. Et on est vraiment au tout début de la démarche. On le voit, il y a pas mal d'initiatives. Il y a beaucoup de choses qui se créent au sein des services achats et des directions achats. Mais c'est vraiment quelque chose en cours de construction. Merci Delphine. Une question qui est peut-être plus pour toi Philippe et qui va peut-être te faire sourire, qui est-ce facile de chercher ces aides ou est-ce qu'on a une complexité administrative ? On a, je pense, souvent peut-être tendance, et j'imagine que derrière cette question se cache le fait de la lourdeur administrative des délais. Vu que c'est compliqué, ça dépend. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les financements de l'ADEME au-delà du plan de relance sont des financements assez techniques, c'est-à-dire que on ne s'attache plus ici à parler de développement économique ou de business plan, on s'attache vraiment à regarder les critères techniques, des données de sortie environnementales. Donc, d'abord, il y a des dispositifs qui sont fléchés sur des catégories bien précises d'équipements. C'est le cas des C2E ou de la liste des 21 équipements. Donc là, je dirais que c'est relativement aisé à mettre en œuvre parce qu'il suffit d'avoir le bande de vie qui correspond à la définition de l'appel à projet. Donc ça, c'est plutôt facile d'accès, même si encore une fois, il faut faire un petit travail d'analyse de ces équipements. Et puis, en fait, nous avons des dispositifs qui, par contre, sont plus compliqués à adresser parce que tout simplement, il faut monter un dossier un petit peu plus complexe. Donc, je dirais qu'il y a les deux. L'État a cherché à faciliter quand même la vie des entreprises sur certains dispositifs et en gros, vous devez envoyer juste votre devis dans un dossier simplifié. Et puis, dans le cas, vous avez un dossier un petit peu plus compliqué avec des indicateurs à sortir et ce sont des éléments que vous n'avez pas forcément immédiatement. Et puis, il y a des subtilités dans la rédaction et le cahier des charges des appels à projets qui fait que, voilà, il faut parfois aller ferrailler un peu avec l'ADEME pour faire passer son dossier. Voilà, donc les deux existent. Merci Philippe pour encore une fois cet éclairage. Ce que je vous propose, c'est que pour tenir le timing, qu'on puisse conclure cette session de questions-réponses. Et puis moi, je vais effectivement rappeler que il reste encore un webinaire sur cette série hein, qui aura lieu le 29 juin. Qui, bah, maintenant, vous l'avez vu avec Philippe et Delphine, qui ont pu avoir porté un éclairage sur la manière dont on pouvait décarboner ses achats, quelles sont les aides mises à disposition. Il y a ce webinaire le 29 juin avec un grand témoin d'une grande entreprise qui pourra effectivement vous exposer les enjeux, les leviers, les freins auxquels il a été confronté ou au contraire, les effets de levier qu'il a pu activer pour accélérer sur cette ambition-là. Et puis, vous rappelez effectivement que ce guide
de la performance durable et accessible en téléchargement, y compris sur ces replays, pas non plus que celui-là, mais sur les quatre précédents et sur celui à venir. Merci beaucoup à toutes et à tous, Delphine et Philippe. Merci encore une fois pour vos expertises et vos propos. Et on se retrouve très vite pour le dernier webinaire le 29 juin. Bonne journée à toutes et à tous et merci encore. Merci à vous. Au revoir.